Non, on a une belle programmation cette année qui est vraiment très, très éclectique, mais en plus une vitrine qui met en évidence des initiatives sociales extrêmement fortes. Donc ça correspond aussi à ce qu'on a envie en tant que mutualiste de partager. Et ça se sent. Mais moi je suis contente de ce que je ressens, de ce que j'entends de la part des jeunes. Que c'est top parce qu'on est très bien encadré à l'ALFI. L'équipe met en place des activités de telle sorte à ce qu'on puisse se connaître, mais aussi elle nous aide à avancer dans nos projets et dans la vie. Bon, j'arrive bientôt à la fin, mais il y a un petit pincement au cœur quand même. Par exemple, Maïma et Karl, ils sont arrivés, ils étaient en contrat d'apprentissage, ils quittaient leurs racines. Voilà, le but, ils repartent vers du logement pérenne. Donc, c'est une réussite aussi pour nous, en tant que travailleurs sociaux, de se dire, bon, bah, on a fait partie de leur vie pendant 2 ans, mais ils partent vers de bonnes choses. C'est vraiment les 2 objectifs du groupe. Vous protéger à travers un logement, mais aussi de vous accompagner dans votre vie. Pour la première fois, on a souhaité faire participer des bénéficiaires d'AFI. D'abord pour marquer le fait que le Vie Festival était un festival engagé, un festival qui permettait le lien social, qui permettait aussi les rencontres pour des publics qui étaient les plus éloignés parfois de la culture et de la fête. Et donc on souhaitait qu'il puisse y avoir une participation des bénéficiaires de nos résidences ALFI, notamment des plus jeunes, pour qu'ils puissent sentir ce qu'était l'esprit de fête du Vie Festival. Une des raisons pour lesquelles on a fait ce Vie Festival, c'était justement parce qu'on était dans des moments où nos sociétés, elles étaient quand même dures, il y avait des difficultés relationnelles, des liens sociaux qui commençaient à se fragiliser. Puis surtout, en fait, on ne connaissait pas ce qu'étaient les mutuelles, mais plus encore, on ne connaissait pas tout ce qui se faisait en termes de créativité sociale par des acteurs associatifs, par des collectivités qui s'engagent, par des entreprises aussi qui font un super boulot. Et ça, on avait vraiment envie de mettre en évidence. Et l'idée d'un festival, de créer un moment qui soit un vrai moment de partage. Convivial. Ah, on se dit, ça nous ressemble, quoi. Ça nous ressemble. Ça colle aux valeurs. Ça colle, ouais, voilà. 3, 2, 1, pour la postérité à vivre, festival. Voilà, la photo, c'est vendredi sur l'écran, il sera dans quelques instants. Et durant toute la soirée. On a essayé de montrer en acte en quoi les solidarités actives étaient extrêmement importantes. On a eu de belles initiatives, des beaux acteurs qui font de la créativité sociale. Et ce qui est donc pour nous important, c'était de montrer que ce festival était plus que jamais engagé. Voilà, c'était une très très belle édition. On prépare la prochaine. Donc on vous donne rendez-vous en 2024.